La musique électronique, quand on en fait, au bout d'un moment, on a besoin d'aller prendre l'inspiration un petit peu à côté. Et, euh, et maintenant, il y a tellement de talent dans, 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 tout, dans toutes les scènes confondues que c'est extrêmement intéressant d'ouvrir son horizon. Je, je crois que l'artiste le, le, qui m'a le plus enthousiasmé depuis l'année dernière, c'est J. Paul, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a eu un album qui est sorti un petit peu euh, à la sauvage, mais c vraiment, j'ai trouvé que c'était extrêmement funky et puis euh, super bien senti avec plein d'influences haïtiques et puis la production elle est extrêmement intéressante donc c'est le, le highlight que j'ai en ce moment c'est J. Paul ma carrière professionnelle <laughs> mais euh, je crois que du moment le jour où j'ai pu euh, vraiment vivre de, de ma passion c'est à dire le jour où on se réveille un matin et puis c'est notre travail ça, c'était le plus beau bon moment de ma carrière. C'est vrai que je viens un peu de, de, du début des années 90 où les DJ commençaient en début de soirée, ils faisaient leur propre warm-up, ils faisaient toute la soirée. Et donc, ils euh, passaient un, un nombre incalculable de 10 différents et ça avait créé une atmosphère, ce qui des fois aujourd'hui a un petit peu disparu, c'est-à-dire qu'on arrive dans le club à 11h30, c'est déjà à fond. Et on a perdu cette science d'amener la chose à son paroxysme. Mais je veux dire, les gens à l'époque, ils sortaient le week-end, c'était pour lâcher complètement de, de leur semaine de travail. Et c'était vraiment la folie. C'était sans limite, mais dans le sens de la joie et du partage. Ben moi, j'ai eu la chance de, de jouer ici au début quand ça a commencé, donc je suis venu deux fois. Avec un autre projet et euh, j'ai toujours eu euh, de la chance d'être bien programmé dans les super salles. J'ai eu toujours une très bonne expérience. On est très bien reçu. Et puis c'est vrai que il euh, y a une atmosphère particulière parce que on est à la montagne. Les gens viennent. Je sais pas. C'est quand même comme ça. So c'est sortir de la ville. C'est euh, donc voilà. Je suis pas dépaysé, parce qu'il y a tout ZAN qui est là, mais pour le reste. Euh, c'est une autre atmosphère. La définition du set idéal, bah, c'est être en, en osmose, enfin d'arriver à partager euh, mes goûts et mes découvertes avec euh, des gens ouverts, prêts à, à danser dessus. Ouais. C'est vraiment une osmose. Mm -hmm. Mais je veux justement me laisser euh, l'opportunité de, de faire un caprice inattendu <laughs> sur le moment. Je ne vais pas le préméditer. Je vais le laisser venir.